ce qui était prévu de la viande hachée, les épices au... Oui, oui. Les mêmes épices qu'on utilise. Tu as une bête. Algérien en Amérique du Nord. Donc,
aujourd'hui, le 14 janvier, ce salon a eu lieu à Montréal. Nous avons eu beaucoup de monde. Le monde continue à arriver. Donc, pourquoi ce salon? C'est pour faire découvrir la gastronomie et la culture algérienne ici en Amérique du Nord, qui est très peu connue. Nous proposons un voyage gastronomique, un voyage culinaire à travers toutes les régions de l'Algérie. Donc, nous avons des chefs cuisiniers qui présentent la cuisine de l'Oranie, la cuisine de l'Algérois, de la Kabylie, la cuisine de l'Est, la cuisine du Sahara, et tout ça avec de très très beaux décors. Nous sommes fiers de faire connaître notre culture algérienne ici à Montréal, au Québec, au Canada. C'est une première version, donc, et il y en aura d'autres car le succès est incroyable. Nous avons reçu énormément de monde et nous sommes très heureux de votre visite. Merci. Thank you.
progressivement découvrir les couleurs, les parfums du pays, de l'est à l'ouest, du sud au nord, au centre aussi. C'est toute une culture, c'est toute une gastronomie, c'est toute une esthétique que vous allez découvrir, valoriser et déguster. Sahatkoum. On vous rappelle seulement, quand vous allez déguster, il y a des gens aussi en bas qui attendent. Donc, qui met Golob l'Arabie, Abdallah. C'est-à-dire, c'est ceux qui terminent. Cède la place aux autres parce qu'il y a beaucoup de monde qui souhaite visiter, découvrir notre riche patrimoine culinaire algérien. Marhaba bikoum, soyez les bienvenus, dégustez, découvrez notre belle gastronomie et soyez encore les bienvenus et faites-vous plaisir. Merci. Toujours présent pour la promotion de la culture algérienne, Lihlo, Marhaba bik Lihlo. Il va vous interpréter une variété. Des variétés, différentes de variétés de la musique algérienne. Alors, bonne dégustation, bonne écoute et bonne découverte. Merci beaucoup. الحباب عملوا الويلة الحباب عملوا الويلة عرضوا عليا نجي مرحبا بكم يا الحباب هذا عرسنا ردوا بصغارية الجواب لولوي الله الله بزات لي مايور مرحبا بكم موسي نمبرو Thank you.
produits traditionnels qui représentent aussi notre riche culture. Donc trois choses sont présentes ce soir, la gastronomie, la musique et bien sûr la dimension vestimentaire, un tour qui essaie de vous plonger dans une ambiance qui vous dépayse d'ici pour aller voyager un petit peu dans l'Algérie avec sa diversité, avec ses couleurs, avec ses parfums, avec sa richesse. Encore une fois, soyez les bienvenus au Martin Bucco. C'est quelle marque ? Chocolat Louis. C'est des chocolats fabriqués par vous-même ? Oui, c'est par les saveurs. Algérien. Et vous êtes établi ici à Montréal ? Oui, je suis à Terrebonne-Ouest. C'est où précisément ? C'est à Terrebonne-Ouest. Oui, Alias Martin. Vous êtes ensemble ? Marna Deco. Ma femme, là, ici. Donc ça fait un bout de temps que je fabrique des chocolats avec personne. Elle passe son temps à inventer des saveurs. Donc vous avez ici deux tables. La première, c'est le chocolat, et la deuxième, c'est nougat. J'ai la pâte de poivre et les dattes fourrées. J'ai la confiture de l'érable. Mlou, pistache. Merdjoum, pistache, au smont blanc. Mlou, Constantine. Il c'est constantinois ça, non? Ça c'est confiture délicieuse. Délicieuse. Sans faire rien, elle m'a habitué. Le pot des coins, les coins sont importés d'Algérie. C'est des vrais coins d'Algérie. Le coin, c'est le Sfarjel. Donc on a ici deux tables qui... Tout ce qui est ici est fabriqué par des Algériens. C'est très raffiné. On a aussi des dattes fourrées, j'aime beaucoup. Des petits gâteaux minuscules, c'est bien. Ça évite de manger trop. Et nous avons ici de nougat, un peu aussi, non? Ça c'est une cuisine, ça c'est une gastronomie constantinoise, non? Quelques friandises, oui. Donc, là, c'est un mélange de constantinois, du algérois. Les sortes de chocolat, généralement, c'est universel. Ça appartient à... C'est du chocolat avec j'ai aromatisé, vous adorez les saveurs algériennes. Qui va se faire la cannelle. On l'appelle la lavande, Helhel. Et Caprice. Caprice, c'est la frédo. Notre indique de la Caprice. C'est bien. Caprice, c'est toute une histoire en Algérie. Hein. Merci beaucoup. Hein. Vous pouvez nous donner votre adresse, s'il vous plaît? 21 rue Agnès Madame, mais pour l'instant, je travaille de la maison. C'est Terrebonne. Si quelqu'un souhaite commander quelque chose, elle a une page Facebook, Chocolat Lusa. Oui, chocolat. Vous avez ici votre fille, Marie-Marie, habillée traditionnellement. Elle n'a pas parlé, elle est gênée. Vous travaillez avec mes parents? Non, moi, je ne travaille pas. Vous les aidez? Ouais. Voulez-vous déguster ça? Non, je les aide avant de le faire. C'est bien, si vous avez la main, c'est super. Est-ce que
qu'aujourd'hui c'est une journée exceptionnelle. Le salon d'aujourd'hui, c'est un vrai salon dans le but de faire la promotion de la révolution ingénieure dans la région. Tout le monde a besoin de mieux. Ma fille est là, ma femme, moi-même, pour faire du cas, je pense que ce soit pour faire en sorte que ce salon réussisse. C'est un très bon hommage à la question de l'énergie. Merci, en tout cas, c'est très chic. C'est très bon aussi, hein. Je vais déguster progressivement. من جلف الأقوات خاطري يتمشاي خاطري يتمشى ومعاكم يا الحباي يا اسلامي من عندكم يا الحباب راه جاكم من الجنوب يا innovante et originale. Votre adresse, s'il vous plaît. Ben, moi, je suis située à Saint-Hubert, donc c'est à l'anglais. Eh ben, pour ceux qui, sait, qui souhaitent acheter chez vous, vous avez un site sur Facebook, un site internet, comme ça les gens pourront vous contacter éventuellement. Présentement, moi, je n'ai pas créé dans l'entreprise, mais je vais le faire bientôt, dans les prochains jours, justement. Mais j'ai déjà une page sur Facebook qui s'appelle Gourmandise d'ailleurs. Merci beaucoup, mademoiselle. Merci.
Merci, merci, au plaisir. Et voici la Chedda Tlemcenienne, un patrimoine algérien inscrit à l'UNESCO. الرسول الهادي عين الودود محمدي
Les plats traditionnels
de l'ouest de l'Algérie, les plats de l'Algérois, de la Kabylie, des régions de l'est de l'Algérie et les belles régions du Sahara. Je vous remercie tous d'être venus nous voir si nombreux. Merci à nos invités. Merci à nos invités. Donc nous avons l'honneur de recevoir avec nous. Excusez-moi, j'avais oublié de dire, c'est que nous sommes les co-organisateurs avec le marché Ébilis. Donc Monsieur Samir, qui n'a pas pris la parole, mais nous co-organisons ce salon ensemble avec marché Ébilis. D'accord. Donc nous avons eu l'honneur de recevoir Son Excellence Monsieur l'Ambassadeur d'Algérie, le docteur Nourdine Bolbeg. Excusez-moi, j'ai peut-être mal dit. Donc si Son Excellence l'Ambassadeur devrait prendre la parole, je vous invite. Merci beaucoup. Non, c'est moi qui suis honoré d'être là. Même si j'ai dû me faire transporter d'Ottawa jusqu'ici, mais je le fais avec bonheur. Quand je vois tous ces visages épanouis, quand je vois cette salle bien remplie, quand je suis arrivé à l'entrée, j'ai dû patienter parce qu'il y avait une queue immense. Ça fait vraiment plaisir, ça fait chaud au cœur. On a l'impression d'être en Algérie, pas à quelques milliers de kilomètres de loin. On voit à travers tout ça la richesse de la cuisine algérienne, toute la richesse que recèle notre pays d'une région à une autre. C'est absolument magnifique. Je suis vraiment heureux d'être là et je félicite les organisateurs d'avoir eu cette idée qu'il faut multiplier et puis surtout penser à ouvrir un restaurant digne de ce nom. Avec toute cette richesse que nous avons ici, je crois qu'on est capable de montrer au Canada et à tous ceux qui étaient là, je voyais, il y a des amis américains, japonais qui sont là venus partager cet après-midi avec nous. Félicitations encore une fois et à ce qu'à Samukas. Merci d'être venu nous voir. J'appelle également Monsieur le Consul Général d'Algérie, donc Monsieur Nourdine Mbeliem, à prendre la parole. Masa al khair, salam alaikum, azoul, bonjour. دونك شكرا 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 جزيلا لهذا المناسبة هذه. نشكر كثيرا المنظمين مدام ناديا ايبيليس تو لي فولونتير اللي كانوا معاه تو لي تريتور كامل اللي قدموا ما تزخر به الجزائر من ثروة في مجال الأطعمة في مجال تنوع الأطعمة. نشكر كامل الحضور بما فيهم من الجالية أو من الأجانب ولا أصحاب الأرض اللي شاركونا. نظن هذا المناسبة تجمع أعضاء الجالية. نشكر على السفير جاء من أوتاوا من كان حرص على الحضور معنا في هذا الإطار. إن شاء الله هذه المناسبة تكون أولى ماشي الأخيرة طبعا. فقط الأولى من نوعها وإن شاء الله تكون ترجع في كل سنة وعلاش اليوم في موريال وغدوة إن شاء الله في كيباك وكل كندا إن شاء الله لأنه الغنى تاع المطبخ الجزائري ممكن يكفي حتى كل أمريكا الشمالية يوكل كل أمريكيين كل كنديين بكل أريحية ونعرف لما يذوقوا الطعام الجزائري حتى راح يتخلوا على أي طعام آخر فشكرا جزيلا أخ ناديا شكرا إيبيليس شكرا سعد السفير شكرا الحضور كامل ونلقاكم كل عام وأنتم بخير أزكاس من كاس بون أني ميرسي بوكو J'invite Monsieur Samy, le propriétaire du marché Ébilis, à prendre la parole. Salam alaikum, bonjour, Azul. Je suis pas habitué à parler à beaucoup de monde comme je le fais aujourd'hui. Je suis très content de vous voir sur le même toit. Pour représenter la cuisine algérienne des quatre coins de l'Algérie. Comme ça? Ah, pardon. C'est ça, j'ai dit, je suis très heureux et fier de la tenue
et algérienne, qui aujourd'hui suite à une série de discussions avec mon équipe pour organiser cet événement qui donne une très belle image sur la cuisine culinaire. Ça va être un des premiers. J'espère qu'on va réussir à faire d'autres événements aussi. Et merci beaucoup pour votre présence. Et j'ai rien d'autre à vous dire à part vous remercier. Merci beaucoup. Merci, merci beaucoup Samy. Donc moi j'aimerais remercier surtout tous les chefs cuisinières, donc les traiteurs, qui c'est grâce à eux que ce salon a eu lieu. Un grand merci, bravo, vous avez honoré l'Algérie. Donc ça c'est juste un petit message de ma part. C'est ça, Zerlitet, elle est nos traiteurs, s'il vous plaît. Zerlitet, elle est nos traiteurs. Vous avez vraiment, vraiment honoré l'Algérie. Tous vos plats, vos gâteaux sont délicieux, très, très présentables. J'aimerais également remercier Luisa de Chocolat Luisa qui a co-organisé avec nous ce salon. Oui, bien sûr, bien sûr. Donc, j'aimerais également remercier donc, tous nos invités d'honneur qui sont venus nous voir. Et je القنصل الجزائري العام هنا في مونريال. لو كانت قلنا كلمة اليوم هنا على هذا اللقاء اللي جمع كاع الجزائريين. مساء الخير، السلام عليكم، بوناني، عام سعيد، سوغاس موغاس. مناسبة كما هذه فعلا من أروع المناسبات. نشكر كثيرا اللي قاموا على تنظيمها، وهذه مناسبة من المناسبات التي تجمع الجزائريين كامل في مونريال، في كندا، في شمال أمريكا. إن شاء الله هذه الطبعة الأولى وما تكونش الأخيرة، هذه بداية. والمطبخ الجزائري ولا كل عناصر الثقافة الجزائرية هي اللي تجمع كل الجزائريين، ما فيش غيرها. إن شاء الله نعملوا كل ما في وسعنا لتشجيع هذه المبادرات، ونعطيكم موعد في العام المقبل في مناسبات أخرى كلها ستجمع بيناتنا إن شاء الله. شكرا.